Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour la suite des aventures de Tyrwan dans Minecraft. Alors, précédemment, on avait quasiment... quasiment fini le plafond du premier étage. Et puis quelques bricoles. Bien, alors donc, toujours pas une nouvelle de la gentille personne pour m'aider pour le shader. Donc nous continuerons avec notre petit faithful pépère, tranquillou et mille. Pour le moment. Alors oui, j'ai vu par exemple, comment ça s'appelle, Siphano qui lui avait un pack perso. Il faudrait que je trouve le moyen de me faire la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a, par exemple, en fait, il a mélangé tout plein de packs et dans un seul pack. C'est-à-dire qu'il a, il a plein de packs de textures mélangées pour en faire un super. Donc, faudrait que je vois comment on fait. Bon, sinon, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Parce que c'est bien beau de parler, 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 mais il faut bouger. Hein, donc, on avait récolté du bois, on va pouvoir tout mettre dans le petit plafond qui est là, voilà. Hop, hop, hop. Ah oui, hein, c'est chiant, mais au moins quand la maison sera finie, ça sera un objectif de terminer. On pourra s'atteler à la préparation, je pense. Enfin, débuter la préparation du combat. Face au dragon, mais on n'y est pas encore, hein. On a encore du chemin à faire avant d'y arriver, hein. Déjà, il y a une grosse armure à se faire en diamant, s'enchante, épée et tout, pour avant d'être prêt pour affronter l'ami dragon. Bon, sinon, alors on va monter, on va monter au premier étage. donc voilà. Faire quelques petites barrières. Du coup, ça viendra là. Pour faire une terrasse, donc il me faudrait soit une double porte et machin. Faut voir après grande baie vitrée tranquille ici. Avec un petit poteau là. Poteau ici. Faudra que je fasse un poteau à la place de ça ou. Ouais, à la place de ça. Là, ici aussi. Ouais. Voilà. Donc, on va, je pense, atteler la préparation de la terrasse. C'est parti. Récupère ça. On recommence. Alors je fais tout le contour en... D'accord. Misclic, c'est pas grave, voilà. Ouais, au pire on fait ça. Allez. Un peu plus vite. Ah, c'est un travail de longue haleine. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que là il y a la porte. Que je fasse là juste l'importe là tout et là tout, ouais, genre, en fait je fais peut-être une petite bêtise, ça fait pas très joli, non, c'est pas super beau. Alors, pas la base mais juste le dessus, voilà. Oh, et si on mettait des vitres par là? Ah, on aurait ouais, on aurait un abri comment dire, éclairé naturellement. Ah, pourquoi j'y ai pas pensé plus vite? C'est une excellente idée ça. Voilà. Voilà, comme ça au moins on aura de la lumière naturellement. Voilà. Bon,
ça a l'air, c'est juste ici qu'il faut mettre des bûches. Voilà, et juste casser un à chaque fois pour mettre les bûches. Donc là c'est un coin, donc là on casse tout. Donc là maintenant on fait pareil. Vous avez compris le truc. Hop, et hop là, voilà, parfait, très bien. Bon, ça fait mini terrasse. C'est un peu petit mais on s'en fout, c'est une petite terrasse, hein, y a pas non plus de quoi faire. Enfin, on va pas non plus faire un truc big awesome, voilà quoi. Donc là on va préparer pour le grenier. Oui, donc là je dois mettre la barrière. Donc ouais, ou attends. Oui, c'est ça. Après. Donc là, il va falloir sûrement torcher, ça va peut-être spawn. Voilà. Là. Peut-être une ici, voilà. Et une là-bas. Voilà. Comme ça on sera tranquille. Peut-être une pour la terrasse, voilà. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on continue nos petites bêtises. Je rigole. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Donc là, normalement, c'est bon. Ah bah non, il y a un pilier ici, donc je dois faire un double là. Ah oui, j'ai pas été malin, mon pilier ne doit pas être là. Normalement, non. Non, il ne doit pas être là, mon pilier. Il doit être dans les coins. Et là, en fait... Si je mets quoi? Si je mettais un mini slap, enfin une petite mini porte, qu'on fait genre, je sais pas, clic comme ça et tu plouf, tu rentres et hop, tu refermes. Ou une terrasse à une, faut voir. Attends, on teste. Ouais, du coup bah là double pilier aussi. Non non non, bah si, parce que là ouais, donc en fait ma cabane, enfin au début ce qui était une cabane, maintenant mon abri. N'est pas bien calé en fait, si on regarde bien c'est pas bien calé. Ouais, oh merde. Oh la boulette. Ça me fait 1, 2, 3, 4. Bah pourtant ça fait 4, c'est pair. Mais les coins sont pas tombés. D'accord, vas-y, bien sûr, tombe. Hein. T'as que ça à foutre de ta journée de tomber, bravo. Ah punaise. Bon, j'en étais où? Donc oui. Alors du coup, ce que je serais obligé de faire, c'est de mettre mon pilier là et un pilier là. Pour avoir un coin. Comme celui-là, c'est-à-dire que j'aurais un truc comme ça. Mais non, ça fait pas joli. Non mais ça fait décalé du coup. On imagine qu'il est droit. Hein. Ça ferait un truc à 3, non, il y a un problème. I have a problem, Houston. Houston, I have a problem. Oui. Donc
Houston, on a un problème. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. On a un problème. Ah ah. Aïe. Fils de pute. You. You. Hein? Ah, t'es là, tu me tires de là, toi. Ouais, bah. Amuse-toi bien. Donc, j'en étais où? Faudrait bien que je mange un petit peu, moi. Ah, franchement, là, c'est un problème insoluble. Merde de crotte de zut prout. Eh oui. On a un petit souci, attends. Ouais, donc ici, on oublie notre histoire de plier là, en fait. Du coup, on est obligé de foutre ça. Ouais, mais je rentre où là? Je rentre par une voie là. Par une porte. Et moi je peux en faire une double. Ça alors là c'est la boulette Arsène. C'est la boulette Arsène. Là par contre c'est la boulette. Bien, ce que je peux me faire, c'est... Zut. Vous savez quoi? De la merde. C'est quoi? Enfin, ouais, je me démerderai. Voilà. Crotte. Voilà, crotte. Bon, maintenant, chose à faire numéro 1. C'est-à-dire... Alors attends, si je par exemple je vais faire une simulation. J'aime pas avoir le plafond trop bas donc je dois passer à 4. Je dois passer à 4 partout. Échafaudage inter. Bon. D'accord, bien sûr, misclick. Misclick, misclick. Ah bah c'est génial, j'ai plus de hache. Donc attention aux bêtises. Ah et en plus il y a le jour qui commence à se lever. C'est parfait. Ouais donc c'est bon, maintenant c'est cool. Voilà que ceci est fait, maintenant on va pouvoir. Alors attends, parce que aussi il faut que je fasse mon accès pour le grenier. Oh attends, j'ai peut-être une idée de petit génie. Si je mettais un pylône là, je fais des échelles. Et je mets une porte. Oh. Pas mal. Oh attends. M'en dirai des nouvelles de cette idée, mais j'ai envie en fait de mettre des échelles là. Genre peut-être pas en pilier comme ça, peut-être en bois. Genre en fait je mets mon échelle comme ça et je monte jusqu'en haut, je mets une petite porte, clic. Non, ou il faut que je fasse ça dans la pièce. Oui, c'est mieux. J'ai pas... Ah si j'avais une autre hache, j'avais oublié, je m'en étais fait deux. Heureusement. Et eux, hein, j'avais prévu le coup bien avant. Ouais. Donc en fait, ouais, il faudrait que je fasse le... Ça, par exemple, je sais pas.
Soit au milieu. Soit au milieu. Soit ailleurs. On peut voir. Mais bon, on va commencer par remplir. Voilà. Essayer de se faire ouais un accès, voilà, je vais faire mon accès genre par exemple ici, ouais c'est très bien tu vois, hop parfait, là on met des petites échelles, parfait. Donc là ce que je n'ai plus qu'à faire c'est ça, plus qu'à faire, c'est pas franchement super français mais bon ça va. Là, j'aurais plus qu'à faire rejoindre plus tard. On finit tout le bois qu'on a. Va enlever ça surtout. Ah oui mais non là mauvaise idée. Et puisque je dois mettre le contour en bois. Donc là tout ce côté-là, c'est incassé. Voilà. Donc on doit se mettre là. Bon, on a plus de bois. Alors. On va aller en chercher, hein, qu'est-ce que tu crois? On va faire quelques arbres et puis on s'arrêtera là. On va aller un peu plus loin hein, pour aller déforester ailleurs. D'accord. Tu vois, là, on va aller décimer cette forêt, hein. Commencer par ce joli petit arbre. Bon, sinon, moi j'espère que vous allez bien. J'ai attendu tout cet épisode pour vous le demander. Bravo. Non, non, moi ça va, tranquille. J'espère que cette série vous plaît. Hein. Bon, c'est vrai que bon, après, il faut que vous me donniez des objectifs. Hein. C'est à vous, c'est pour ça que c'est interactif. De me dire, ah tiens, si tu fais ce genre de truc là. Par exemple, tiens, ce mode-là va t'ajouter des petits trucs à explorer, des machins. Voilà, faut pas hésiter. J'essaierai de trouver. Comme pareil pour le shader, hein, vous pouvez me donner un coup de main, me dire, ah tiens, sur ce site-là, tu peux avoir le shader, il est bien, il est beau. Pour essayer, tu vois, pour voir si ça fonctionne. Donc voilà. C'est à vous de décider. Allez, on continue, hein, on n'a pas fini, faut rapporter du bois. Donc ouais voilà, par exemple des trucs qui ajoutent des structures, comme ça on pourrait genre trouver des coffres sympas avec des objets sympas, faire un peu d'exploration tu vois pour dynamiser un peu la série. Alors bien sûr peut-être bon pas tout de suite, mais quand je me sentirai un peu plus chaud tu vois dans Minecraft avec un peu plus d'heures de jeu et un peu plus l'habitude peut-être après mettre un peu plus frotter à certains ennemis. Ce qui pourrait être sympa de faire, c'est de me conseiller des CTM, des petites Complete the Monument. Ça peut être sympa, c'est très intéressant comme série. Alors ça, c'est pas le même bois.
Voilà, ça pourrait être sympa à faire comme série. Comme ça, vous verrez le fail en direct. Encore pire que là. Bon, après aussi, si vous pouvez commencer par me conseiller une map pas trop dure, tu vois, pour juste commencer, tu vois, crescendo, voilà, on ferait crescendo. On commencerait par une CTM simple, et on irait crescendo, genre de plus en plus difficile. Ça pourrait être sympa. Voilà. Si vous avez des petites CTM en tête, que vous connaissez. Que bien sûr, tout le monde n'en a pas trop fait, ou si certains youtubeurs l'ont fait, mais il y a très longtemps, comme ça au moins, on sera pas trop embêté. Ça ne dérangera pas trop. On a combien? Un stack plus 28. Bah, je fais encore ces deux-là et on s'arrête. Voilà. Bon, on va rentrer avec tout ça. Pas pratique de sauter sur les nénuphars. Voyez, des petits parcours comme ça m'aide aussi. Ça me permet, hop là, de m'aider un peu, sauf que je suis parti. Ouais, mais de toute façon, je crois que j'étais un peu obligé, vu par le côté où je suis parti, j'étais un peu obligé de passer par l'eau. Ma maison elle est là-bas, ouais, je vois je vois les piliers. C'est pratique quand notre maison sera terminée, vu qu'elle est sur le sommet de la colline. C'est qu'on pourra la voir de loin, donc ça sera pratique. Mais c'est vrai que là en premier abord ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est parce qu'elle est pas finie. Après, il faudra me conseiller aussi, me donner des petits conseils pour la décoration. Ça pourrait être sympa quand elle sera finie, on pourra faire des petits trucs de décoration. Toc. On va manger un peu. Voilà, bien. Et ben on va se mettre sur notre petit four. Et donc je vous laisse ici pour cet épisode. J'espère que vous aurez tout de même plu, même s'il n'était pas hyper passionnant. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, un pouce bleu, Twitter, tout est dans la description. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, c'est si vous avez envie. Voilà, allez, à la prochaine, portez-vous bien. Bisous.